Hello, hello, est-ce que vous m'entendez? Attendez, ne répondez pas parce que je ne peux pas voir vos réponses pour l'instant. Hop, hop. Hop là. Hello, hello. Super, donc mes messages fonctionnent. Normalement, vous voyez au moins mon message. Bonjour Adeline. Ok, donc moi j'ai un retour son, donc... Je considère qu'on est bon. Let's go, comme dirait Mario. All right. Donc, oui, écrit la page profil plus ou moins.
Eh ben, je crois qu'on va démarrer, on va pas attendre plus longtemps, surtout que ça va être un live assez long. Pop, 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 pop. Je pense qu'à la partie 1, on fera, à la fin de la partie 1, on fera un petit récap. Et je présenterai Codiscovery à ce moment-là. MKDIR, à chaque fois j'oublie. Média, présentation.png et la même chose pour c'est quoi l'autre? C'est Road 100 en PNG aussi. Road 100.png. Ok, bon, je présenterai tout ça tout à l'heure, à la fin de la partie 1. On va commencer. Alors, aujourd'hui, on va s'amuser à recréer un clone d'Instagram. Donc, moi, j'ai pris des photos qui étaient en ligne. Il représente un peu Instagram, parce que j'allais pas ouvrir mon compte. Ça serait assez gênant. Enfin, il n'y a rien, je suis des gens tout à fait respectables, mais c'est juste bizarre. Et bonjour Émilie, Anna, bienvenue à toi. Alors, c'est pas la première fois que tu viens, apparemment, et je me rappelle pas de ton prénom. Dos. Déjà vu d'Emily. Mais re-bienvenue à toi. Tu nous viens d'où de Meetup, de Twitch directement? Donc voici. Et on va tout refaire en React avec Style Components. Donc est-ce que certains ou certaines d'entre vous ont déjà utilisé ont déjà utilisé Style Components. Oui, c'est pas la première fois, mais ça faisait longtemps que je n'ai pas pu assister à un live. Eh bien, bien le retour à toi. J'espère que tu avais déjà apprécié le ou les lives que tu avais vus et que tu apprécieras celui-ci aussi. Donc, quelqu'un a déjà utilisé Style Components ou vous l'avez pas du tout utilisé? Vous utilisez peut-être Tailwind qu'on va voir la semaine prochaine. Puisque je me suis dit l'un ou l'autre, lequel utiliser? Eh ben, pourquoi choisir quand on peut faire les deux? Non, bon, ben. Hop. Eh bien, on va commencer, hein. Pourquoi tarder? Donc dans la partie 1, ce qu'on va essayer de faire, c'est j'ai vraiment tout découpé en mode simple. On va se créer un composant des plus basiques, un bouton. Il y aura deux styles, le faire passer en bleu, le faire passer en vert. Et ensuite, toujours avec Style Components, et créer un troisième style disabled. On va le mettre en partie 3. Partie 2, pardon. C'est déjà bien suffisant ce qu'on va faire pour la partie 1. Et voir un peu ce qu'est Style Components. L'idée, c'est de faire 15 minutes maximum. Si je peux descendre à 10 minutes, ça serait parfait. Ben on va commencer. Alors, j'ai juste lancé le NPX. Create. Oh, quoique, non, je peux le faire en même temps. 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se faire un clone Instagram avec React et Style Components. Donc pour ça, je vais créer un projet avec le NPX Create React App sous le dossier client. Donc pendant que ça télécharge, parce que ça prend un petit peu de temps à s'installer, eh bien, vous voyez, on a déjà le dossier client qui pour l'instant n'a qu'un package JSON, mais à la fin, vous allez voir, il y aura plein de choses. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on
On va essayer de reproduire Instagram en moins de 2 heures. Alors, je ne pense pas qu'on aura le temps de tout faire, surtout que je vais tout expliquer. Mais, fixtures, ici. Donc, on va essayer de reproduire cette page. Peut-être pas tout. Oui, quoique, on peut aussi faire tout ça. Ça ne sera pas très long. Mais de reproduire une page avec plusieurs photos, avec le like, et ainsi de suite. Ça sera surtout quelque chose de visuel, c'est surtout du CSS, on va peut-être pas rentrer dans créer un vrai like, quoique ça prend pas beaucoup de temps de faire un like. Donc on va faire aussi le like tant qu'à faire. Et si on a le temps, eh ben j'aimerais bien faire la deuxième page aussi, la page profil, où on voit son profil à soi avec toutes ses photos. Et ça c'est vraiment une question de temps. Donc pour faire ça, alors avant de commencer dans la première partie, on va d'abord faire un composant bouton. Même si il va pas nous servir dans la partie Insta, on va faire plutôt des icônes que des boutons. Donc quand on y pense, une icône, c'est un bouton qui ne ressemble pas à un bouton, pardon. Mais le bouton, c'est vraiment l'exemple le plus simple. Donc on va partir de là et après on va réutiliser le même principe dans tout le reste. Pour pouvoir utiliser Style Components. Donc parfait. Ça a terminé de charger. Je vais faire CD Client et je vais faire npm start puisque là vous voyez on a un projet npm entier qui commence par un package JSON. Il y a un node modules et on a tous les SRC qui concernent le code React et je vais rentrer en détail tout à l'heure. Hop hop hop. On va lancer sur localhost 3000. On va attendre qu'il charge. Pendant ce temps-là, je vais aller dans mon dossier public. Ici, je vais lui changer son title. Instagram clone style components. Puisque la semaine prochaine, on va refaire la même chose, mais en Tailwind, avec Tailwind CSS. Ok, donc ça a démarré. Et sauvegarder. Et maintenant, je peux lancer. C'est notre projet par défaut en React. Et nous, on va tout effacer et on va se faire un bouton à la place. Hop, hop, hop. Et j'ai oublié quelque chose d'important. NPM i styled components. Ça serait bien. On l'installe pour pouvoir l'utiliser. Pendant ce temps-là, je vais aller dans mon projet app.js et je vais tout effacer. Je ne veux pas tout ça. Et pendant que ça télécharge ici le composant, je vais commencer à écrire mon composant import. Pour l'instant, je n'apporte rien puisque je n'ai pas style components. Donc, on va se créer une fonction component qui est celle de l'app. Il va return du JSX. Pour l'instant, une div avec un H1. Hello, le stream. Bash replay pour ceux qui regarderont en replay dès demain. Export default app. Ce que je n'ai pas dit, c'est que le code discovery, l'idée, c'est vraiment de tout écrire à la main pour vous montrer qu'en 2 heures, on est quand même capable de faire des choses intéressantes en code. Et que vous n'avez pas besoin d'une panoplie de modules et autres. Si les modules vous aident, tant mieux. Si vous en avez pas, vous êtes quand même capable de faire du code. Donc, je relance mon serveur. NPM start. Hop, hop, hop. Cette fois, j'ai installé Style Components, donc je vais pouvoir l'importer. Hop. Et je vais l'importer dans un composant séparé qui sera le composant bouton. Donc pour l'instant, je rafraîchis ma page. Et voilà, on voit bien Hello le stream, replay. Je vais rajouter un composant button et je vais mettre un B majuscule parce que les composants ont tout le temps des majuscules à l'entrée. Sinon, j'aurai un button comme ça et c'est un bouton HTML. Donc non, on veut un vrai composant bouton parce qu'en React, on a tout le temps des composants en majuscules. Ce bouton, il va afficher valider.
Et ensuite, on va importer ce bouton dans le fichier components core button. Donc, on va créer. En effet, j'ai une erreur puisque j'ai sauvegardé et je n'ai pas de dossier components. Je n'ai pas de dossier core et je n'ai pas de fichier button.jsx. Bon, une fois que j'ai tout ça, je vais pouvoir importer style components, donc le styled from style components. Dans la partie 2, on va rentrer un peu plus dans le détail de la documentation. Là, je vais faire quelque chose de simple et on regardera ça plus tard. Salut Ronnie, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Donc, une function component qui contient le bouton. On va voir quels sont les paramètres que l'on va mettre à l'intérieur plus tard. Return. Et pourquoi pas mettre un bouton directement. Et ce bouton, il va avoir... pour l'instant, il va afficher le texte qui vient de plus haut. Donc, dans React, lorsqu'on met du texte ici, à entre les deux balises, on le récupère via la prop children. Alors, je précise, c'est un live pour ceux qui connaissent un peu déjà React. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Et on voit bien que le validé qui vient du parent, qui vient d'ici, a été ajouté dans ce bouton plus bas dans l'échelle. Maintenant, ça serait bien de rajouter des styles à notre bouton. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un composant const container qui va être égal à quoi? Qui va être égal à un styled, puisqu'on a importé styled et juste après, .div.button, c'est un bouton. Donc, l'idée, c'est qu'il va réutiliser la balise button. Et sur cette balise button, on va mettre, enfin, sur ce bouton, on va mettre un template string, des petits caractères qui ne sont pas des guillemets, mais qui sont des backticks. Et à l'intérieur, je vais écrire du CSS classique. Donc, ce que je vais commencer par faire, c'est all unset. Et je vais enlever tous les styles du bouton par défaut. Je vais mettre une border 1px pink et solid. Et color, la color elle sera noire par défaut. Et j'aimerais bien que ça fonctionne. Donc ce container, eh bien en fait ça va être le container de mon bouton. Donc on va mettre container à la place de button. Container. Et vous voyez, ça a remplacé par le composant qui est container, mais qui au final est un bouton. Regardez, on va ouvrir l'inspecteur car il est 19h19, ça fait 19 minutes que mon inspecteur aurait dû être ouvert. Et là, j'ai une grosse erreur. Enfin, une grosse erreur, parce que ça fonctionne visuellement, mais j'ai dû faire une erreur quelque part. Et avec the render method of app, je vais juste rafraîchir. Ok, c'était une ancienne erreur parce que j'avais pas rafraîchi depuis que j'avais créé le bouton et que ça avait créé une erreur. Donc, il n'y a pas d'erreur sur cette page. Et on voit bien ici que c'est en rose, comme prévu. Et vous voyez que ça a remplacé par un bouton. Et là, on a des classes. On a une classe, mais je l'ai écrite nulle part. Pourquoi? Parce que style component, même si on écrit du CSS au niveau du composant, il le compile, enfin, il le transpile, pour être exact, en classe CSS, et donc il va faire une sorte de compilation qui permet que on puisse utiliser des classes CSS et que ça soit beaucoup plus performant. Et ça, vous n'avez rien d'autre à faire à part créer ici styled.button qui va réutiliser button. Si je mets div, ça va utiliser une div. Et je peux mettre toutes les balises HTML que je veux, mais elles sont cachées derrière un composant React qui sera un composant qui contient toute ma logique de styling, tout simplement. Donc, on va aller un petit peu plus loin. Et vous voyez que dans Style Components, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire du CSS classique à l'intérieur de ces backticks.
C'est un composant. Alors, Adeline demande, container, c'est un composant qui sert juste à mettre du style. C'est un composant qui sert à mettre du style, mais ça reste un composant, donc on peut lui mettre autre chose aussi. Donc ça reste un composant. Mais en général, oui, on va s'en servir surtout pour mettre du style. Mais si vous voulez mixer, vous pouvez mixer et c'est ce qu'on va voir dans pas longtemps. Ensuite, on va lui mettre un padding de 0,3 em et 0,5 sur les côtés. Voilà. Et ça serait bien, par exemple, on ait un border radius de 5px et qu'on ait une couleur un peu plus. Un peu plus rose bonbon. Alors, comment hop, ouvrir. Va prendre. Hop là. Ok. Et on va avoir une couleur de texte. Pareil, color. Ok. Et lorsque je vais passer sur la souris, eh bien, je vais avoir un hover. Et pour faire le hover, vous allez faire un ampersand, esperluette ou et commercial. Et vous allez mettre votre nouveau style. Donc, on va tout inverser. Color white. La couleur du texte va être white. Et le background color va être comme ça. Et là, oups, échappe. Dès qu'on passe à souris, vous voyez, on peut gérer le hover avec Style Components. On pensera à mettre un cursor pointer ici pour que le curseur change de la souris. Voilà. Donc, maintenant qu'on a fait ça, c'est super, sauf que moi j'ai envie d'avoir un bouton avec des styles. Plus précis. On n'a pas encore créé les deux styles, donc on va dire dans le bouton, tiens, je vais lui donner un style qui sera primary. Par exemple, si le bouton est de type primary, bon, type, pardon, type, le type du bouton est primary, eh bien quand c'est primary, je vais envoyer une information à mon composant. Donc je vais recevoir le type. Ce type, je vais devoir le traiter. Et une fois que je l'aurai traité, je l'enverrai à notre composant. Donc en fonction du type, j'aurai des couleurs spécifiques. Donc on va définir un bleu. Oui, ça me va. Donc ce bleu-là sera le bleu primary. Je vais le mettre en commentaire ici. Et j'aurai un vert, success. Alors, pas trop pétant le vert, mais pas trop jauni. Voilà, par là. Hop. Et maintenant, l'idée. Hop. On rafraîchit. Maintenant, l'idée, c'est de se dire en fonction du type, il aura une couleur précise. Donc là, je vais définir. Let type. Ah mais je veux dire, pardon, color type, la couleur en fonction du type. Par défaut, sa couleur sera le rose. Mais si le type est égal à primary, alors color type sera égal à notre bleu. Et si notre type est égal à success, alors notre couleur sera le vert. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le color type ici en lui envoyant eh bien, une propriété. Eh bien, en envoyant au composant container une propriété. Et le truc, ça sera de comment on va réutiliser cette couleur avec Style Components. Attention!
Ben on va encore l'appeler type, enfin color type, tant qu'à faire, color type, ou tout simplement color. Ouais, color. Color qui va être égal à color type. Je vais mettre main color. Voilà. Ça veut dire qu'on envoie main color à style component. Et comment on récupère ça? Eh bien, c'est assez simple quand on sait. C'est que on va le récupérer via une fonction ici qui va retourner automatiquement. Donc, j'ai récupéré les props, la props qui a été envoyée, donc, puisque j'ai envoyé une props qui s'appelle mainColor, et je vais dire props.mainColor. Et je reproduis ça ici et ici. Donc, pour l'instant, voilà, et vous voyez, c'est devenu bleu, parce que j'ai mis primary en type. Je reproduis un autre bouton qui n'est pas primary et un dernier qui sera success. Et on va avoir trois boutons et vous voyez qu'ils ont été définis, que leur couleur a été définie en fonction du type. Et par défaut, il a une couleur par défaut. Et tout ça, on l'a fait rapidement avec Style Components. Et donc, ça sera tout pour la première partie. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Non. Alors, en deuxième partie, donc ça c'est fait. En deuxième partie, on va vraiment mettre en place Instagram avec cette idée de Style Components où on n'écrit que du CSS tout le long. À tout de suite pour la deuxième partie. Et pour ceux qui sont en live, eh bien. Eh bien, il n'y a pas d'autres vidéos, donc on va rester là, on continue. Vous avez des questions jusqu'ici? Voilà, je vais boire un petit peu d'eau. Alors, ça va hyper bien, merci. Ah, c'est cool. Adeline, j'ai répondu à ta question, je suppose. Hop, hop, hop. Ok, bon, ben on enchaîne, c'est parti. Alors, pour cette partie 2, ce que l'on veut faire, ben ça, on va le mettre de côté. Je pense que dans l'exemple, je viens d'introduire et montrer le cas de base de Style Components. Je vois pas comment tu veux que je l'introduise avec des mots plutôt qu'avec l'exemple, c'est ça? Donc, Style Components, ça vous permet de faire du CSS directement avec. Donc, en fait, quand vous faites du React, vous avez plusieurs manières de faire du CSS. Soit du CSS NGS, soit du CSS classique avec des composants CSS, avec des pages CSS. Sauf que ce n'est pas du tout la philosophie React d'utiliser ça. Donc, Style Components fait un entre-deux dans lequel on a toujours des composants, mais on a aussi toujours du vrai CSS. Et en plus de ce vrai CSS, on peut utiliser toute la force d'un composant et donc lui rajouter des props, ce qu'on ne peut pas faire dans du CSS classique. Parce qu'on doit utiliser des variables qui sont prédéfinies et on peut pas les surcharger comme on vient de le faire ici.
Donc, alors, on va reprendre pour la partie 2. J'ai mis. Ouais, donc ça, on va le mettre de côté. De toute façon, on n'a pas besoin de ce bouton. Ok, donc pour commencer, on va créer un composant pour montrer une photo. Ce serait pas mal. Donc, j'ai pris un exemple ici. Où es-tu caché, petit exemple? Ici. Donc, on va avoir. Je vais d'abord faire le composant photo. Et puis on fera tout le style de la structure de page qui viendra par la suite. Donc on va avoir un cadre gris dans lequel on va avoir une photo, un texte, le username, pardon, le lieu où a été prise la photo. Bon, ça, c'est trois petits points, c'est pour des contenus en plus, si on veut cliquer, mais nous, on ne va pas entrer là-dedans. On va mettre la photo et enfin, on va mettre les quatre icônes ici. Voilà, on va commencer par faire ça, ça serait déjà pas mal. Donc, on va créer un. Dans le SRC, on a les components et je vais créer un dossier qui sera feed. Et dans le feed, on a un composant photo. Photo.jsx. Et je suppose. Non. Non. On va le faire comme ça. On va voir petit à petit si on simplifie ou pas. Bien sûr, si vous avez des questions. Ah mince! J'avais dit en partie. Entre la partie 1 et partie 2, j'allais présenter puisque. J'attendais que les gens arrivent. Donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas CodeDiscovery, je vous présente et je recommencerai la partie 2. CodeDiscovery, c'est une communauté de développeurs et de développeuses. On est sur Twitch, YouTube, Meetup, Twitter et Discord. On fait des lives tous les mercredis de 19h à 21h et on démarre de zéro, comme vous l'avez vu. Le but de ces lives, c'est vraiment que vous posiez vos questions. Donc, je m'arrêterai. Avec grand plaisir si vous avez des questions. Et si vous avez des suggestions ou des changements sur ce que je fais, vous pensez que le border radius que j'ai utilisé, il n'est pas assez beau, il faudrait mettre 3 pixels au lieu de 5, et ainsi de suite, n'hésitez pas, c'est vraiment le but d'apporter votre pierre à l'édifice. Donc dans la partie 1, comme vous l'avez vu, c'est surtout des explications assez... générique et plutôt tuto. Et dans la partie 2, c'est là qu'on va avancer, qu'on va faire du code. Demain, alors j'ai dit tous les mercredis, sauf qu'en cette fin d'année, on va faire 3 lives par semaine pour atteindre les 100 lives à la fin de cette année. Parce qu'on est déjà à 86, un truc comme ça, et voire 89, je sais plus. Ben justement, je ne sais plus, je vous le dirai juste après, on a le planning. Donc demain, vous aurez le replay à 9h sur YouTube avec la partie 1. Et si vous voulez voir la partie 2, je vous invite à venir sur le site codiscovery.co avec les parties 2 et plein de bonus en plus. Surtout si vous aimez, la première chose à faire, c'est de refaire le code. Et refaites le code surtout. Mais si, enfin, regarder, c'est bien, refaire, c'est mieux. Et c'est comme ça qu'on apprend. Parce que quand je le fais, bah vous dites, ah ben bah oui, c'est logique, mais quand vous le refaites, et bah vous n'avez pas encore cette logique. Enfin, si vous débutez, si vous êtes des baroudeurs du code, vous le ferez avec votre propre logique et vous n'avez pas besoin de le refaire. Mais ça, vous savez où vous en êtes. Enfin, si vous voulez aller plus loin, dans un premier temps, comme je vous ai dit, inscrivez-vous sur le site, comme ça vous aurez accès aux parties 2 pour pouvoir terminer et revoir tous les lives qu'on a fait. Il y en a 80. Il y a plus de 80 déjà, donc il y a de quoi faire. Ensuite, si vous vous inscrivez à la newsletter, vous serez prévenu lorsque le hub sera sorti. Le hub, ça sera un site qui aura énormément de vidéos sur toutes les petites choses, comment installer par exemple Style Components, comment installer la semaine prochaine
Tailwind CSS avec Next.js ou avec React. Comment utiliser Tailwind sans React, puisqu'on peut utiliser Tailwind sans React. Comment installer des polices d'écriture, comment utiliser des variables CSS, et ainsi de suite. J'en passe et des meilleurs. Je n'ai pas eu une expression, mais je viens de l'inventer ce soir. Et je le vis bien. Enfin, si vous voulez, si vous cherchez un taf dans un travail, un boulot dans la programmation, et que vous êtes développeur ou développeuse, et que vous voulez un portfolio qui sera joli, parce que quand on est développeur ou développeuse, on se concentre sur le code, et le CSS, la structure de votre page HTML pêche un petit peu. Donc, on a un programme qui s'appelle Créer un portfolio qui impressionnera les recruteurs et les recruteuses, dans lequel vous pouvez, vous avez 7 modules qui démarrent de la police d'écriture à choisir, des couleurs et comment marier les deux. Le contenu, les illustrations, les animations, les interactions et le déploiement de votre site, parce que ça ne sert à rien de faire un site s'il n'est pas en ligne. Donc on apprend tout ça dans le programme. Donc vous partez de zéro et vous avez votre site en ligne. Et ce n'est pas un template, c'est vraiment vous qui apprenez toutes les bases pour mettre tout ça en ligne. Voilà. Allez. Et je vous disais que cette fin d'année, on va faire plusieurs lives. Donc, la semaine dernière, on a fait le Uno, le Dark Mode et le Slideshow Animation. Aujourd'hui, lundi, on fait le clone d'Insta avec Style Components. Ce mercredi, on va créer des diplômes avec des PDF. Vendredi, on fait un bot Discord. Et vous voyez tout ce qu'on a jusqu'à la fin de l'année. Donc là, il y a plein de choses à faire. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire soit sur YouTube, soit sur Twitch, soit sur Twitter. Et aussi, venez sur le Discord si vous avez des questions. Comme ça, vous pourrez suivre les lives et aller plus loin si vous voulez aller plus loin dans le développement. Voilà. Allez, je vais recommencer ça pour la partie 2. Parce que j'ai fait un gros stop entre les deux. J'avais quasiment rien fait, donc ça va. Donc, pour la partie 2, on va reproduire cette image ici. Et j'aimerais commencer par recréer la photo. Et après, on créera toute la navbar et la sidebar sur le côté. Et donc, j'ai besoin d'une petite photo de profil, un nom de profil, un lieu, une photo et les quatre icônes. Donc, pour ça, je vais créer un composant dans le dossier Components. Il va aller dans le dossier Feed. Et dans le dossier Feed, je vais créer un composant. Je vais commencer par un dossier. Le dossier Photo. Il gère une photo. Et dans ce dossier Photo, on va avoir le le composant photo.jsx. Oups. Je connais pas le JX. Donc pour le JSX, eh bien on va commencer à créer ce composant. Donc on va importer style from style components. Ensuite, on va import pardon. On va créer une fonction qui va contenir notre photo. Return. Et pour l'instant, on va pas créer une div justement. On va utiliser style components qui va créer un container. Donc const container style.div. Et pour l'instant, je ne mets rien. Je vais juste créer un container. On va juste créer ma structure. Ensuite, dans ce container, j'ai besoin d'avoir trois parties. Donc, la première partie, c'est avec le header, body et footer, on va dire. Voilà. On va dire ça. Donc, on va avoir le header. Body et
Scooter. Et on va se créer les composants en rapport. Scooter. Et dans le body, on va avoir notre image. SRC. Pour l'instant, on va mettre une image en brut et petit. Et tout à l'heure, on va créer un. On va faire une boucle pour que ça fasse plusieurs photos les unes au-dessus des en dessous des autres, pardon. Que ça soit joli. Mes images, je vais les mettre dans le dossier public, dans le dossier IMG. Et j'avais préparé des images en amont. On va mettre. Ah oui, je ne vous ai pas montré les images, mais ah, vous allez voir tout de suite. Dans le dossier images, hop. Je déplace. Donc j'ai les avatars que j'ai récupérés sur Unsplash et d'autres sites. Voilà. Et ensuite des photos que j'ai piquées sur un Instagram d'un amateur. Et lui dites pas que je lui ai piqué ses photos parce qu'on va pas le créditer. Voilà. Donc j'ai pris des photos. Elles sont toutes au même format. Que ce soit les avatars et les photos, comme ça va un peu plus vite. Parce qu'au final, Instagram, une fois que les photos sont uploadées. Salut Nansha, comment vas-tu? Et une fois qu'elles sont uploadées, elles ont le même format parce que Instagram, il facilite le truc. Donc, IMG, et ça va super, merci. Ça faisait longtemps que je voulais faire un live Instagram et j'avais pas d'idée sur quoi faire, comment le faire. Eh bien, me voici. Photo. Qu'est-ce qui t'a fait rire, le fait que je vole les photos? Hop. Donc, j'ai. Oups. J'ai ici photo, sauf que à chaque fois que je valide, il n'y a rien qui s'affiche. Oui, je sais que tu es déjà venu. Je sais que tu es déjà venu, Nanch. Tu étais là vendredi. Oui, pour les animations. Et pop, 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 pop. Oui, donc l'idée, ça serait quand même d'afficher notre composant et de commencer par photo. Et de l'importer, import photo from components feed photo dash photo. Ça serait bien que j'exporte, c'est toujours mon erreur, j'oublie tout le temps d'exporter. Ah, t'es là parce que c'est du React. Très bien. Et donc là, on commence à avoir des erreurs. Donc ça, on va fermer notre index HTML, notre button, on n'en a plus besoin. Robot.txt, je ne sais pas pourquoi c'est ouvert. Et donc j'ai créé un composant header que je n'ai pas créé à blanc. Voilà. Donc là, on a une photo. Cette photo, elle prend un peu beaucoup de place. Et on va se le faire en full screen pour que ça soit plus simple à gérer, enfin plus simple, que ça soit un peu plus joli, je trouve, de le faire en full screen. Donc là, l'image, elle est beaucoup trop grosse. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va régler cette image après. On va commencer à mettre tous les éléments et après, on va mettre le CSS. Donc, dans le header, je vais avoir deux choses. Je vais avoir le composant avatar qui va contenir. Ben, mon avatar en fait. Donc src et src.slash slash img avatars slash avatar1.jpeg. Il n'y aura pas de alt ici. Le composant avatar n'existe pas. Donc je vais créer un composant avatar pour l'instant. Et en fait, vu qu'il a un src, est-ce que je fais une image? Ouais, on va essayer ça. On va essayer une image directement. On
Ok. Avatar is not defined. Ok, c'est bon. Ensuite, on va toujours dans le header, on va ajouter donc l'avatar et on aura une div qui va contenir notre image. Revenons sur l'image pour que vous puissiez pardon, suivre ce que je dis. Vous voyez ici, on a deux colonnes quand on y pense. Oublions ces trois petits points ici. On a deux colonnes, une avec l'avatar, une deuxième colonne avec le titre et l'avatar. Le titre et le lieu, pardon. Donc, on va avoir un composant. On peut le faire de deux manières. Alors, je vais éviter les divs tant qu'à faire pour que ça soit super clean. Et là, on va afficher. Header info. Header info va prendre deux informations, title, username plutôt, username. On peut mettre sous un title qui sera générique. Voilà. Et le lieu. Qui sera un texte classique. Ce texte, je vais le mettre sous le lieu où j'ai pris cette photo. Je ne sais pas où j'ai pris. Oui, en fait, je rigolais. Hein, ce sont mes photos. Où est-ce que j'ai pris cette photo? En forêt, j'irais Fontainebleau, mais je c'est pas Fontainebleau. C'est peut-être Fontainebleau. Je ne sais plus. France. J'ai oublié. Et donc, je vais créer ces composants aussi. Title qui sera un H1, non, H3, pas H4 même. Et avatar, c'est pas avatar, et texte qui sera une balise P classique. Pour l'instant, on ne met aucun style et header info. Hop, ok. Ensuite, on va dans le footer créer nos icônes. Et les icônes, il va falloir les charger. Donc pour ça, React FontAwesome, il y a FortAwesome qui existe. Voilà, il y a FortAwesome qui existe. React FontAwesome. Qui est pas mal du tout. Donc, on regarde comment on l'utilise. Documentation. La documentation de FontAwesome lui-même. Donc, on va installer tout ça. Donc, on stoppe ici. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû faire un copier-coller un peu bizarre. Donc, npm i. Et je vais charger tous ces. Les trois d'un coup. Vous pouvez les faire les uns après les autres, mais ça fonctionne aussi très bien les trois d'un coup. Et comme ça, je vais pouvoir commencer à utiliser FontAwesome. Donc, je vais importer FontAwesome icon dans lequel je vais mettre les icônes. Donc, import FontAwesome icon from npm start. Tout a été chargé, pas d'erreur. NPM start. From quoi? From at FortAwesome. Il ne me dit pas comment il inclut ici. Voilà. Parfait. Je prends cet exemple le plus basique et j'essaye d'afficher ce premier composant Coffee. Même si je veux pas de café dans mon footer ici, hop, on te somme et on regarde ce que ça donne. Non, ah, vous savez quoi, je vais juste le mettre dans le header pour que ça soit plus simple à voir pour l'instant. Donc il n'y a rien qui apparaît et pas à saut.
j'ai oublié quelque chose. Alors, si vous l'avez déjà utilisé, ben, pourtant j'ai utilisé il n'y a pas si longtemps que ça et je pensais pas avoir fait plus que ça. Icon, c'est comme ça que je l'avais utilisé. Est-ce qu'on pareil ici? Non, non, c'est comme ça que je l'avais utilisé, donc ça c'est bon. Donc on va inspecter et voir ce qu'il nous raconte. D'accord, il apparaît pas du tout. Je l'ai mis juste après le texte. Je vais rafraîchir. Ah ben si, ok, il fallait que je rafraîchisse tout simplement. Ça a fonctionné, parfait. Donc, on va le remettre en bas. Et cette fois, on va mettre les bons icônes. On va importer les bons icônes, c'est-à-dire si on prend la photo, un like, un comment et un message et un bookmark. Sauf que le message, le bookmark, il est tout à droite. Donc, on va avoir deux colonnes. Donc, dans une première colonne, on va dire... Alors, je fais exprès de créer autant de composants. Comment on appelle ça ? Style components. Mais si vous voulez juste faire une div, vous pouvez juste faire une div, mais c'est qu'il y aura du CSS derrière. Donc, on va avoir... En fait, footer, j'ai footer et j'ai left icons et right icons, celles qui sont à droite. Voilà. Donc, left icons, j'ai pas de meilleur nom. Si vous avez un meilleur nom, je suis totalement preneur. Right icon. Ok. Et ensuite, on a deux cafés, donc on va en faire trois. On va importer, alors ça, je me rappelle deux noms, c'est FA Art. Ensuite, on a le message, le truc pour envoyer les messages. Donc là, on va aller sur, si vous avez les noms en tête pour ceux qui en utilisent beaucoup, je suis aussi preneur. Message. Si, donc message, ça va être quoi? Ah, ben comment. Donc FA comment. En fait, on reprend exactement le nom qui est déjà donné par Fontosum et on rajoute FA devant et tout se fait en camel case. Donc s'il y a un tiret, ça va être un camel case. Donc genre comment-medical, ça va être FA comment medical en camel case. Mais je ne vais pas l'utiliser. Donc, on a le message, mais j'ai pas la flèche, le truc DM, private message, DM, non, et deux. Donc, on a un like, j'ai art, et j'ai ça là, c'est quoi ça, je sais pas comment l'appeler, et le bookmark, ça, c'est assez... Et donc bookmark tout simplement. Et donc FA bookmark. Et enfin, ben, l'autre dernier, j'ai pas du tout de nom. Le paper plane. Super, merci. Tout simplement. Paper plane. Merci beaucoup, Nansh. C'est comme ça qu'on dit ton pseudo ? FA Paper Plane Nansh FA Paper Plane. Parfait. Eh bien, donc on commence par le like. Ok, super. FA Paper Plane et FA Comment. Et enfin, FA Bookmark. Voilà. Regardons visuellement. Tout est dans tous les sens. Pourquoi j'ai laissé coffee? J'ai pas mis FA art. Et ça a changé. Superbe. Ensuite, alors, tous les... Sur Instagram, en fait, ce sont les solides. Moi, j'ai,
mis, alors j'ai téléchargé les solides, mais en fait il faudrait que je fasse le contraire. Dans les autres, c'est les outlines. Attendez. Paperplane, c'est gratuit ou pas ça? Et j'ai mis FAR pour régular. Donc est-ce que je peux changer le solide et régular, c'est ce que j'avais téléchargé ou pas? J'en avais téléchargé 3, j'en ai utilisé que 2. J'ai retourné dans mon paquet de JSON et regardé ce que j'ai téléchargé. FA solide, très bien. Quantosum SVG Core. Et on va regarder si Quantosum existe avec les régulars. Régular, SVG Icons. Voilà, tout simplement. Donc je vais simplement le télécharger en l'état. NPM i. Et ça vient d'où ton pseudo Nanch? Nanch, ça ne dit rien. NPM start, on relance. Et comme ça, j'aurai que des fontes régulières. Au lieu qu'elles soient pleines, elles seront. On va attendre que ça démarre. Une fois que ça démarre, je vais rafraîchir et ça devrait fonctionner. Ok, ça a démarré. On rafraîchit. Et bah, pas du tout. J'ai pas sauvegardé. Normal. Et voilà. On les a en régulière comme sur. Sur Instagram, super. Je ne sais pas, ça vient de nulle part. J'ai inventé, ça fait des changements de mes anciens pseudos. Bon, bah, je te demande pas quels sont tes anciens pseudos. Si tu as changé, c'est que tu voulais pas en parler. Ok, donc maintenant on va commencer à faire nos styles. Donc la première chose, ça va être sur l'image. Donc sur Avatar, ici que je mets tout en haut, non pas tout en haut, après ça, on va séparer un petit peu et plus tard vous allez voir, on va faire des. Ah, excellent! Oh, j'aurais kiffé Webkito. On va les faire un peu dans l'ordre de ce qui s'affiche, mais plus tard on va les mettre dans un autre fichier parce qu'une fois qu'il y aura beaucoup trop de choses dans ce composant. Donc on va faire. Weave, donc la taille de l'image elle va faire 50px peut-être et on va lui dire border radius 50% pour qu'elle soit ronde et voilà on a une image ronde très bien ensuite autour du container il serait ça serait bien qu'on ait une border 1px solide pièce 888 pour qu'elle soit grise tout autour. Voilà. Ensuite, on avait le header info. Et le header info, alors déjà le header avec, on veut qu'on ait deux colonnes. Donc on va passer le header. Qui contient avatar et header info en display flex pour qu'ils soient les uns à côté des autres. Donc header ici display flex. Ok. Donc on va définir la height aussi à 50px. Je sais pas pourquoi il a fait comme ça. Et ensuite, on va mettre sur notre display flex un align items. Align items center pour centrer l'image. Super. On va regarder notre image parce que je ne suis pas sûr que ça fasse comme ça sur Instagram. Je vais sauvegarder ici pour garder l'image tout le temps. Donc les textes n'auront pas d'espacement. Pourquoi il y a un espace aussi énorme? C'est qu'elles ont des margins, ce sont des H4 et des P, et elles ont des grosses margins, donc on va les enlever ici.
Donc, title. Et vous voyez que le H4, qui est bien avec cette histoire de style components, le H4 n'est plus un H4. C'est un composant qui s'appelle title. Donc, et ce composant, vous pourrez le réutiliser partout dans votre application et il aura le même style. Et là, on va dire margin 0 et margin 0 aussi. Et ensuite, notre image qui est dans le body. Pop, 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 pop. En fait, on veut qu'on ait des styles dessus, donc on va avoir. On va lui créer aussi un composant main image est égal à styles.img et on va lui dire with 100% de son parent et son parent ça va être le body. Est-ce que j'ai créé le composant body? Il est ici. Le composant body, il va faire with et on va le faire à, je ne sais pas si 600 px. Donc ce qui fait qu'on a créé un composant qui s'appelait main image. Voilà. Et là, vous voyez que l'image a été réduite dans son parent. Et en fait, ça ne va pas être le body qui va porter les 600, ça va être le container. Hop. Voilà. Comme ça, on voit la bordure de notre composant. OK. Ensuite, on va mettre nos icônes. Il y a des éléments prédéfinis et on peut les modifier. Non, il n'y a rien de prédéfini. Qu'est-ce qui est prédéfini? J'ai tout créé. À part les balises qui existent par défaut, elles ont toujours été prédéfinies. Mais c'est moi qui ai créé container, header et ainsi de suite. Donc, je ne vois pas ce que tu veux dire par des. Oui, mais ça a toujours été le cas. Dans tous les cas, tu as div et h4 qui existent et tu es obligé d'avoir des balises en bout de course. Donc, au lieu que ces balises, tu mettes des styles à l'intérieur, tu donnes à ton composant une balise par défaut et tu mets les styles à l'extérieur du composant. Donc, à l'extérieur du composant qui est censé afficher des choses. Comme ça, le style est totalement séparé. Puisque quand tu fais un site, tu vas utiliser des div et des p et des h4. Tu vas le faire ça. Et bien ça, tu vas les utiliser, tu vas les réutiliser ici. Tu es obligé de faire ça en bout de course. React a besoin d'afficher des balises HTML classiques. Ensuite, dans le footer, on veut que ces icônes soient les unes à côté des autres. Donc, on va utiliser un display flex. Voilà. Elles sont les unes à côté des autres, sauf qu'on veut qu'elles soient totalement séparées les unes des autres. Donc, on va utiliser un justify content space between, je crois. Non, non, quand je fais style.div, ce n'est pas préexistant, il réutilise une div. Il prend n'importe quel composant HTML classique. Il réutilise la div d'HTML. Ce n'est pas prédéfini, surtout pas. Sinon, si HTML évolue, il ne peut pas évoluer avec, il est obligé de mettre à jour. Tu peux écrire n'importe quel composant HTML, c'est juste qu'il va écrire ce que tu mets. Pop, 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 pop. Ok, donc on a notre première photo. On va encore réduire la taille parce que la photo elle est un peu grande, en tout cas pour ce qu'on veut tester. Voilà. On va enlever les boutons
de notre app. On avait fait tout à l'heure. Et on va commencer à avoir un truc un peu plus stylé. Donc, par exemple, on va avoir un padding. C'est-à-dire que, à part l'image qui est totalement collée, et là, on ne le verra pas parce que mon image, elle est, on appelle ça, elle a des bordures blanches, donc on ne le verra pas. Mais, je vais dire, on veut. Perdu. Donc on va sans. Pour l'instant, on va s'occuper de ça. Donc on a du padding à l'intérieur. Donc ce qui est en. Et header, pardon, et footer, il y a du padding. Ils sont pas collés au mur. Ça, c'est pas bien. Arrêtez de vous coller au mur, les enfants. Donc le header. Et là, ce que je peux faire, puisque je suis dans React, const padding est égal à 15. Et je définis ce padding pour tout et je le définis comme une variable classique. Donc const padding, eh bien, je réutilise la variable padding x. Pas sur le container, pardon. Hop, sur le header. Voilà. Et de la même manière, je fais la même chose pour le footer. Et juste ici. Voilà. Alors 15, c'est un petit peu trop. On va le descendre à 10. Voilà. Ensuite, les boutons entre eux, ici dans le left icons. Donc left icons. Il fait ça. Là, tu m'y mènes directement. Pour le left icons, on va avoir encore un display flex. Et cette fois, on va créer un gap à 5 px. Voilà, ça c'est propre. Et je crois qu'on est bon pour le bas. Et on va faire un même gap pour en haut parce que c'est tout collé, c'est tout moche. Donc. C'est quoi? C'est le header. On a déjà mis un display flex, donc on va rajouter un gap à 10 x. Comme ça. Qu'en pensez-vous? Alors, il faut savoir que mon image, elle a des bords blancs. Ceux qui ne voient pas. Un peu plus quoi? Un peu plus d'espace entre le 15-20? Ok. Voilà, l'image elle est déjà comme ça, donc elle a des bords blancs un peu partout. Ok, ça me va aussi. Super. Donc on a un composant, et ce composant, bah, il fait la taille qu'on lui a donnée. Et vous savez quoi? On va en créer plusieurs. On va créer une liste de composants et on va les faire scroller. Et on va commencer à créer notre style de page. Et on est à peu près bon avec ça. Hop. Donc on va lister les photos. Donc pour ça, on va avoir un composant. Au final, ça serait bien de nettoyer tout ça. Donc par exemple, le header. Le padding, il n'est pas bon. Je vais le mettre ici, puisque je vais le réutiliser. Et je vais lui dire que il y en a deux qui utilisent le padding. Donc padding est égal à padding. Et je vais lui faire passer le padding. Pareil pour le header ici, le footer, pardon. Je vais lui faire passer un padding prédéfini en amont.
Donc, comment il va le récupérer? Il va le récupérer avec ce qu'on avait vu au début, une fonction qui contient les props et qui va retourner p.padding. On recopie ça et on le met dans les deux. Vous voyez, ça fonctionne. Super. Donc, ce qui fait que maintenant, mes composants, ils sont totalement décorrélés du reste et je peux me permettre de créer un import from photo styles.js. Photo styles.jsx. Et donc j'exporte container, exporte header, exporte body, exporte header, exporte. Vous savez quoi, on va le faire dans l'autre sens, parce que lui il va me faire un autocomplete. Même pas? Même pas. Bon, on va rester là où on était. Après footer, avatar title text, avatar title text, main image, et là je les vois tous, donc export main image. Export. Pourquoi il ne... Statement expected. Ok. Donc main image et de export icons et export right icons qui contient rien. Donc il veut pas me le passer comme ça. Alors, je mets un objet. Alors, export. Oui, c'est exactement ça, Nanch. Merci, je viens juste de voir ton message, mais je pense que tu l'avais déjà mis bien avant que j'écrive tout ça. Ok, ce qui fait que j'ai exporté. Je vais l'importer. Oups. Et à chaque fois juste j'utilise styled, je vais donc tout ça, je vais l'importer là-bas. Hop. Ah, Paperplane, il est utilisé dans l'autre. Bon, bah, mince. Pas que je l'ai utilisé là-bas. Ici. Voilà, super. Photo styles. Rafraîchis à la main. Ok, parfois, c'est... Je dois juste rafraîchir. Ok, super. Donc là, vous voyez, notre composant, on va refermer. Il est clair. Dans sa définition, tout est vraiment super clair. Et en plus, j'ai très peu de styles qui posent un souci. Donc maintenant, ce qui serait bien, c'est d'avoir une liste de photos. Et donc, dans le feed, eh bien, dans les photos, je vais avoir un composant liste qui va avoir la liste de toutes les photos. Donc dans ce composant liste, on va un peu simplifier, on va créer un array d'objets. On va faire à la main, donc on va pas récupérer des choses en ligne ou quoi que ce soit.
et on va le printer avec toutes les photos. Donc on va import photo. Non, c'est juste un composant classique from un slash photo qui va lui-même importer ses styles. Ensuite, on va importer un photo info qui va être un array d'objets. Cet array d'objets va contenir un avatar. Donc, ça va être slash img slash avatars slash avatar1.jpeg. Ensuite, on va avoir un username qui va être, dans le premier cas, moi. Dans un location, la location pour la première photo, ça va être Fontainebleau, France. Ensuite, on va avoir image. On va avoir le chemin de l'image qui va être photo. Ensuite, eh bien, c'est tout. C'est tout, je crois. Donc, photo, all photos. Infos. Voilà. Photo info. Hop. Avec un S. Donc, on reduplique le tout avec avatar 2, photo 2. Et on verra où sont les lieux. Enfin, je vous dirai quand je verrai les photos. Et après, je pourrai vous dire le lieu par la suite. Je ne me rappelle pas où est-ce que j'ai pris ces photos. 3. 4. 10. 7, 8 et 9. 9. Donc, derrière ça, on va avoir une fonction liste qui va, pour l'instant, on ne sait pas ce qu'elle va contenir, elle va return. Et on va commencer un peu à regarder la structure. Est-ce que j'ai besoin de faire une structure assez précise pour l'instant? Ouais, la liste, on va la placer comme ça et ça va être le layout qui va gérer comment la liste va se placer. D'ailleurs, j'ai oublié de faire un truc important sur le container ici. Donc, photo style, background, white. Faut que le fond soit blanc parce que le fond du site web il est un peu grisé. Comme ça, on voit la différence avec les autres choses qui sont en blanc. Ce qui fait qu'on va avoir plusieurs composants. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est toujours avoir un petit container autour parce qu'on ne sait jamais à quel moment il va nous servir. Pour l'instant, on va le utiliser avec Style Components et on va l'importer tout là-haut. Et on va créer notre const container qui est égal à styled.div. Nash, tu utilises Style Components ou Tailwind ou autre chose? Ou rien de tout ça, tu fais du CSS classique. Container. Donc ensuite, dans le container, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais faire une boucle, donc un map, pour récupérer toutes les photos info. Photoinfo.map dans lesquelles je vais avoir une fonction et cette fonction elle va me retourner quoi? Elle va me retourner que des photos. Donc pour l'instant je vais laisser en brut comme ça. Je vais récupérer info et index. Et moi ce que j'aime bien c'est rajouter une autre div. Mais on verra si on en a besoin tout à l'heure, parce que je pense que je pourrais me débrouiller sans. Qu'est-ce que je fais? Qui est égal? Ouais, Tailwind. Il n'y a pas beaucoup de trucs gratuits, ah bon?
Non, il y a des trucs payants, mais il y a des trucs gratuits. Juste que les trucs gratuits, ils prennent du temps à arriver parce que Tailwind a pensé le truc payant dès la sortie, en fait. Mais la semaine prochaine, on va faire Tailwind. Ok. Donc, ce composant liste, ça serait bien qu'on le voit, qu'on l'affiche donc au lieu de mon app, enfin dans mon app, pardon, j'affichais le composant photo. Et maintenant, je vais afficher le composant liste. Donc, photo liste pour être plus exact, puisqu'il est dans le feed photo. Donc, photo liste. Et là, je devrais avoir plusieurs. Photo liste. J'ai mal importé. J'ai pas exporté. Comme d'habitude, j'oublie mon export. Ici. Et là, vous voyez, on a plusieurs photos, plusieurs fois la même photo. Donc, j'ai mis. Ça serait bien que j'envoie les infos, tiens. Hop, on envoie toutes les infos avec un spread. Ça veut dire que si j'ai info.avatar, eh bien, il va envoyer avatar est égal la valeur ici. Il va envoyer ça comme ça. Avatar est égal avec la valeur de l'avatar. Donc, en mettant un objet, ça va le spread dans les dans la balise de dans le composant parent. Ça va être assez cool comme ça. J'ai pas besoin de tout réécrire. Ce qui fait que maintenant, dans mon composant photo, eh bien, je vais réutiliser tout ça. Ça veut dire que je reçois avatar, location, username, image, et je crois que c'est tout. Donc, toutes ces informations que j'ai récupérées, eh bien, je vais les afficher. Donc, avatar, username, location. Oups. Location et pardon, image. Donc j'ai une balise alt. Je vais enfin un attribut alt. Je vais m'assurer donc photo of username in location. Voilà. Et mon alt ici. Username. On a le nom de la personne. Photo of username. Oh, qu'est-ce que tu me fais là? Tu te calmes, VS Code. Voilà. Super. Et là, vous voyez, tous les avatars ont changé. Et là, vous voyez mes photos du Mexique. Et puis ça, c'est à Paris, ça, c'est en Autriche. Et ça, c'est à Paris. Sauf que là, il manque un avatar. Oui, parce que j'en ai 9. Donc, on va juste décaler. Il n'y a que 8 photos. Donc, lui, ça va être avatar 1. Voilà. Ok. Donc, le truc, c'est qu'entre chaque photo, ce qui serait bien, c'est qu'on ait un espace. Donc, pour ça, je vais le faire dans Photo. Sur le container, il va nous mettre un. Je peux changer le texte. Oh, trop bien. On va mettre un margin. Salut Néolectron, comment ça va? Alors, t'as réussi ton renderer ce matin ou pas? Enfin, t'as dit à 11h que tu l'avais pas réussi, mais est-ce que maintenant, 20h, tu l'as réussi ou t'as arrêté? Margin.
Néo-électron, pardon, c'est un gars qui fait plein de reacts sur Twitch, donc n'hésitez pas à le follow, moi je le follow déjà. Qu'est-ce que je faisais? Margin, bottom uniquement, je pense, à 15 px. Pour l'instant, on va laisser comme ça. Et vous voyez qu'on a donc affiché tout. Et l'espace qu'il y a ici, qu'on soit très clair, hein, ce sont toutes mes photos. Elles ont déjà des espaces blancs. Donc je vous les montre toutes, comme ça vous verrez. Vous comprenez que j'ai mis des espaces blancs sur chacune. Pour ça que vous voyez cet espace blanc autour de chaque photo. Que là, si vous vous posez la question pourquoi ça touche pas le bord, et bien c'est parce qu'il y a des espaces blancs autour. J'ai pas eu le temps de préparer. Enfin, c'est pas ça. J'ai pris directement mes photos sur Instagram. Et c'est mon style de mon. On appelle ça de mon feed. Ok, donc on enchaîne. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Eh ben, je crois qu'on va commencer sur le layout puisqu'on a affiché les infos. On va commencer à se faire un vrai layout. Et on va commencer par la navbar. Donc. Si tu as des retours, Néolectron, je suis preneur. Toujours sur le. Alors, non, c'est quand même sur le corps. On va créer une navbar. .jsx. Hop. On va importer. File Components. Et ensuite, on va se créer une function component navbar. Alors cette navbar, on va rien mettre qui va être mise à jour. Donc, vous savez quoi, dans un premier temps, je vais juste créer un container super basique parce que j'aimerais me concentrer sur le layout de la page avant de rentrer sur le. Donc, en gros, je vous explique ce que je vais faire avant de le faire pour que ça soit plus clair. Je vais juste créer une grosse navbar qui sera vide. Où je vais écrire du texte, je vais juste écrire Instagram et je vais créer aussi la barre de droite. Donc, je vais surtout créer la structure et après on va remplir ces parties-là. Donc, container style.div et donc on va lui mettre une border bottom, border. Bottom, 1px solide, pièce 8,8 et une hauteur pour l'instant à height 50px. Donc j'écris mon container dans la navbar dans lequel j'écris juste Instagram. Code discovery gram. Voilà, non mais ça serait bien de l'importer maintenant dans notre app.js. Import navbar. Com.slash components core navbar ici. Navbar. Et comme d'habitude, je vais le faire à chaque fois. Export default navbar que j'ai oublié. Super. Donc comme je vous ai dit, pour l'instant, on va le laisser abrupt comme ça. Et on va enchaîner, j'aimerais avoir tous les éléments avant de commencer à me concentrer plus précisément sur le style. Ensuite, on va avoir un autre composant qui va être comment on va l'appeler? Ça va être à droite.
Et en fait, on va avoir un truc à droite, mais qui va contenir trois composants. Le composant. Franchement, je ne sais pas si on aura le temps de faire tout ça. Donc, je vais juste faire un avatar avec le nom. Voilà, je vais juste faire un avatar. Je vais réutiliser ça. On va le mettre à droite et au moins j'aurai la place pour à droite. Et quand j'aurai fini, eh bien, si on a le temps, je rajouterai les stories et les suggestions. Donc, comment on va faire ça? Vous rappelez, on a déjà créé un composant ici qui correspond quasiment à tout ce qu'on a fait. Eh bien, on va réutiliser tout ça. Donc, dans le feed, on va avoir le aside. Qui va contenir un vrai composant. Alors, j'allais dire, on va l'appeler comment? C'est juste ça là, le nom de mon utilisateur, donc myinfo.jsx. Et donc, on va importer styled function myinfo. Cette fois, j'ai exporté avant d'oublier. Export of my. Hop. Ensuite. Info, pardon, je me suis perdu. Oui, et donc l'idée, c'est d'importer tout ce qu'on a fait ici et de le. Enfin, d'importer tout ça là. Tout ce qui correspond à l'avatar, tout simplement. Donc, moi, j'ai déjà tout fait dans ce composant photo style. Et donc, c'est le header. Vous savez quoi, j'ai tout importé en l'état. Et vu que je recopie tout ça, eh bien je vais en faire un autre composant séparé. On va juste appeler on va l'appeler non pas header. Enfin, ici on peut l'appeler header, ça c'est pas un souci. Attendez, on va lui donner un nom parce qu'on va le séparer d'ici pour qu'il soit utilisé à deux endroits. En fait, ça va être mini profile. Summary profile, voilà. On va le mettre dans feed, summaryprofile.jsx. Import function summary profile return ici je copie tout export default summary profile il va attendre plusieurs choses le padding le avatar, username et info. Pourquoi? Parce que ça sera soit la location, soit le nom complet de l'utilisateur. Donc là, on va remplacer par info. Tout le reste, c'est pareil. Et là, le padding, par défaut, on va lui donner 10. Ça sera déjà fait aussi. Il y a besoin de le faire. Qui fait que maintenant on va importer Summary Profile. Import Summary Profile. Summary Profile.
qui va attendre quoi comme info? Eh bien, padding est égal à padding, avatar est égal à avatar, info est égal à location, et username est égal à username. Qui fait qu'ici, ça ne va rien changer une fois que j'aurai importé les bons composants. Donc, dans photo, on va importer tout le reste. Voilà, super. Header is not defined. Comment ça, header is not defined? Ah si. Dans PhotoStyle, on a bien header. Qui est exporté. Je rafraîchis, mais ça fait déjà deux fois. Ok, maintenant ça fonctionne, très bien. Il prend son temps, tranquille, prends ton temps. On a tout le temps, il nous reste 23 minutes, pépère. Donc, ensuite. Donc, MyInfo, maintenant, lui, il va récupérer quasiment les mêmes choses. Ben non, MyInfo. MyInfo, en fait, c'est Summary Profile. Summary Profile qui va avoir un petit twist. La couleur. Je me suis perdu. MyInfo. Donc, il va importer Summary Profile. Et il va mettre. Non. Mettre Summary Profile dans lequel on va avoir avatar username info, et le info ça va être full name. Ce full name je l'ai pas, grave, je vais mettre par défaut. Et enfin on a le padding qui sera par défaut, donc avatar username, c'est bon. Et info. Summary profile, mais c'est MyInfo, pardon. Ok, donc là, ensuite on attend donc avatar. Parce que si je ne les mets pas, username, et c'est tout, ben on devrait être bon. Il y aura un petit twist aussi, comme j'ai dit, mais on va le voir tout à l'heure. Pour l'instant, style components, je ne crois pas que l'on en ait besoin. Et maintenant, on va importer MyInfo dans notre app.js. Donc, import MyInfo. Et là, on va avoir PhotoList et MyInfo. Sauf que MyInfo va aller tout en bas. Vous voyez, donc la photo n'est pas définie. Pourquoi? Parce qu'il faut rajouter un avatar. Cet avatar, on va lui mettre le chemin. Donc, img slash avatars slash avatar 1.jpg. Ensuite, username, générique cambré, voilà, et, pourquoi il y a un espace? Ah oui, parce que c'est le J majuscule, d'accord, ok. Et voilà, comme ça il l'affiche, sauf que maintenant je veux l'afficher à droite. Donc on va commencer à créer le layout de la page. Donc on enlève tout ça.
Et ce layout, on va utiliser un style component import style from. J'avais été plus lent, voilà, hop. Beaucoup trop rapide. Il n'a pas le temps, style components, de suivre. Const container. Et donc là, mon container, on va lui donner une div, puisque regardez, on a déjà une div en tant que container. Ben, on va plutôt utiliser style components. Sur ce container, on va lui donner quoi? On va lui dire qu'il va avoir une background color à, alors, pas dièse 888, CCC, CCC. Ouais, c'est encore trop. Un peu mieux, un peu plus clair. Sauf que ben, la navbar, ben, le container background, hein? Background, oh là 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 là, white. Voilà. Ensuite, on va placer. Le but, c'est de placer les infos à la gauche, à la droite de PhotoList. Donc pour ça, on va se créer un composant main ici qui va contenir const main qui va contenir nos éléments principaux de la page. Donc je réutilise l'idée de d'HTML, hein. Il y a une balise main d'ailleurs. Quitte à être main, autant être main. Et ensuite, je fais display flex ou flix. Et donc, il est plus en bas, mais en fait, je crois qu'il stack. Hein? Il est où mon. Il est où? Ah, j'ai pas installé le React Developer Tools ici. Mince. Donc dans le main, on a deux composants. Et là, on ne le voit pas. Ah si, il est en plein milieu parce que il est en Align Item Center. Donc, on va faire Align Items Flex Start. Voilà. Ok. Je t'ai retrouvé, mon ami. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir une taille de notre page principale et centrer le tout. C'est-à-dire qu'on va avoir un Justify Content Center. Oups, c'est bon, il m'a corrigé. En fait, non. Parfait. Et l'idée, c'est maintenant de styliser notre navigation. Donc, ma navigation, hop, navbar, elle va avoir plusieurs choses. Donc, je vais éviter de remettre la recherche. Je ne vais pas du tout faire de choses avec la recherche. Donc, on va avoir à gauche Insta, enfin, Discovery Gram, et à droite les des icônes et oui, c'est très bien, et des icônes. On va pas remettre la photo, on a déjà vu comment utiliser les photos, donc ça c'est pas un souci, et on a 15 minutes pour faire ça. Let's go. Donc j'avais défini une taille arbitraire de ma navbar, donc ça je vais l'enlever. Pourquoi? Parce que je vais utiliser mon title. Et cette fois, ça va pas être le même title que la dernière fois, parce que le title de tout à l'heure c'était un H4. Là, je voudrais que ça soit le H1. Donc title égale style point H1.
Et on va lui laisser toute la place. Title is not defined. Ok. Voilà. On va faire font size point 9em. Donc 1, 1.3, 1.4. Voilà. Ensuite, le container, on va lui mettre un padding left à 15px et un padding right à 15px aussi. Comme ça, il ne touche pas le verbe. Ensuite, on va importer des icônes from from. On appelle ça portosum, pardon. Porte awesome. Et je vais réimporter ce que j'avais utilisé dans le photo style. Non, dans le photo tout court. Je vais tout réimporter. Je veux de nouvelles icônes. Alors, elles vont rester régulières et on va avoir le house. Donc, je crois que FA House, ça existe. Non. Home. Non. Il n'y a pas. C'est quoi? C'est une maison, une boussole et un cœur. Home. Donc, c'est home. J'ai mis FA Home. Ah, il n'y a pas dans les régulars. Ah, il n'y a pas de home dans les régulars, c'est peut-être ça. Et oui, c'est dans les solides. Bon, ben, c'est pas grave, on va l'importer en tant que. On va l'importer en solide. Tant pis. Donc, import from solid FA home. Ensuite, on veut le art et on veut la boussole. On dit boost compass. Compass. FA compass. Ok. Ce qui fait que dans un deuxième write icons, eh bien, j'appelle Phantosome icon. Icon est égal. Je vais afficher mon Insta comme ça. Je vais voir tout de suite quand ça fonctionne. FA Home. OK. FA Art. Et FA. FA Compass. Et on inverse. Super. Donc le right icon ici c'est pas lui. On va en créer un nouveau. Most right icons est égal à styled.div qui va être en display flex et en gap 5. Et bien sûr,
Qu'est-ce qui contient les deux? C'est le container. Eh bien, le container doit être aussi en display flex. Très bien. Et on rajoute un justify. Non, c'est un align. Align items center. Super. Et ensuite, on veut lui pousser et les séparer les uns des autres. Donc, justify content space between. Oups. Oups. Et comme j'ai mis 15 pixels, il va jamais toucher le mur. Et c'est propre. On va augmenter l'espacement à 15 et augmenter la taille des icônes pour qu'elles passent en size. Égal LG. Voilà, un peu mieux. Malheureusement, on n'a pas l'icône maison comme je voulais. Et le dernier point, c'est qu'on veut que la navbar, en fait, elle reste fixe. Donc on va retourner sur App et on va le mettre directement dans Navbar. Position X. What? J'ai mis sur Right Icons. Container. Ah, sauf que maintenant il faut qu'elle fasse. Oui, oh. VH, VW, pardon. Voilà. Ah, ta, 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 ta. Sans W. Ah, c'est marrant qu'il me fasse ça, lui. Pourtant, j'ai bien mis le padding. Sauf que ce qui est à l'intérieur est flex, donc il ne fonctionne pas de la même manière. J'ai juste essayé un truc. Ouais, je crois. Donc, ça veut dire que maintenant, tout ça est flex. C'est juste pour tester rapidement et si ça fonctionne, je créerai un composant. Ben non, toujours pas. Oh là. Hop. Pourquoi? Parce qu'il est fixe. On revient, ça va rien changer. Oh, j'ai bien mis Relative. J'ai cassé la base. Ok. Et si je mets 100%, qu'est-ce qu'il me dit? Same, same. On est d'accord. Comment ça se fait qu'en fixed, il prend beaucoup plus? Ah, qu'est-ce qu'il nous raconte? Donc, il est bien décalé de 15, mais les autres. Ah, mais j'ai enlevé le space between. On va lui faire un flex 1 sur le petit.
Texte. Regarder ce que ça donne. Ok, flex 1 et text line. Right. Sauf que, ce qui est à l'intérieur n'est pas du texte. Donc flex justify content flex end. Ouais, non, même problème. Ok. Bon, on va regarder ça juste après. Il y a un problème plus simple à régler. Ça va être le sur l'app ici. Main. Margin top. 3EM. Wow. Hein? Ok, je vais tester Nanch. Donc le main padding. Ok. Propre. Voilà. Comme ça, on a toujours les composants qui s'affichent. Sauf que. Et on doit régler ça. Alors, Nanch me dit, tu peux faire justify content space around et flex items margin left. Flex items. Align items, je veux dire, non? Ou flex items. Je connais pas cette propriété. Ah, sur les items qui sont flex, je mets un margin right. Pas trop. Je vois pas ce que c'est flex items. Donc, justify content space around. Ok. On retourne sur la navbar. Justify and round. En fait, le problème, c'est qu'il fait plus que la taille prévue. Ah, c'est pas le padding qui fait tout sauter. C'est ça, c'est le padding. D'accord, ok. Donc, j'ai inversé, en fait. Le padding rajoute de la taille à mon élément. Donc, est-ce que je ne ferais pas ben, exactement l'idée que j'avais, mais le contraire. Une div autour qui, elle, taille, padding, left, pas du tout. Pas du tout. Ah oui, toi t'as dit margin et pas padding. Ok, j'ai à peu près compris le problème. Maintenant, comment on va le régler? Ceci est une autre paire de manches. Donc, dès que je vais
Eh bien non, en fait, non, mais non. Pourquoi je me casse la tête? Dans le title, padding left 15. Il se décale à droite sans décaler à gauche. Et ensuite, sur les right icons, padding right 15px. Réglé. Super. Ben, merci Nanch. Ça va aider à revenir dessus et à comprendre le problème. Parfait. Eh bien. Ben, il est 21h01. Et le dernier truc, ça serait bien de faire un petit like, quoi. Ça serait très bien de faire un petit like. Donc, on va sur le font awesome ici. Sur chacune des photos, je vais créer un state. Import use state de React. Et on va terminer là-dessus. Pour chacun des states, const like, set like, l'appeler is liked, set is liked est égal à use state false par défaut. Et dès qu'on clique, il le passe en true. Et lui, comment il va faire pour gérer ça? Donc, il va avoir une color. Ah! Et attendez, parce que ce qui est important, c'est qu'il doit changer de type aussi. Donc, on va avoir le regular icon en noir et le FA art as FA art solide. On va en avoir deux. Et là, c'est solide. Et donc, en gros, lui, il doit attendre l'icône et la couleur. Donc, on va lui dire, on va lui créer art style. Donc, ce composant, on va le créer, enfin, cette variable, on va le créer ici, art style. Art style va être égal à quoi? Donc, par défaut, elle va avoir comme icon le FA art et comme color black. Et si que j'ai fait et passe. Alors surtout pas en const, une lettre puisque je vais le modifier. Ah bah oui, j'ai laissé ce gros pataquès de if. Donc ça fonctionne toujours. Et dans l'autre cas, et donc if is liked est true, alors artStyle est égal à icon2.fa art solide color red. Et ça va être un oups. Ça va être un rouge pas joli. On va utiliser mon rouge. Je les copyright sur. J'ai copyright certaines couleurs de. C'est des couleurs Pantone en fait. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Il est mort? Réveille-toi. Oh, il a dit 21h, grève. Ah, il s'est réveillé, tiens. Alors, ok, parce que j'ai fait une grosse erreur quelque part. Quelle est cette grosse erreur dans ce quelque part? Art style, art style, art style, dans lequel j'envoie icône et color. Juste essayer un truc. La seule chose que j'ai changé, c'est ça. Icon est égal à FA art. On va mettre le solide tout à l'heure. Juste checker. Ça fonctionne. Pourquoi? Ah, j'ai dû importer un truc qui n'a aucun rapport.
Voilà. Quand j'ai écrit Red, il m'a importé Redirect et c'est pour ça qu'il est parti dans tous les sens et essaye d'importer du node. Donc, non, je ne te veux pas, je ne t'ai pas demandé. Qui es-tu? Que veux-tu? Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Donc, Art Style, on reprend. Et donc ça ne change rien ici et je passe en true. Il devrait passer au rouge. Yeah! Donc là, ils sont tous passés rouge. Maintenant, l'idée, c'est de lui mettre un onClick. Donc onClick. OnClick Art. Et au moment où je clique sur le cœur, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Const on. OnClick Art. Eh bien, set is liked. Et on va inverser notre booléen is liked. À chaque fois qu'on le reçoit, on l'inverse. On passe à false par défaut et on termine là-dessus à 21h07, mesdames et messieurs. Et voilà, on a des likes sur Insta. Propre. Alors venez, alors j'allais vous dire venez liker mes photos, mais non, puisque vous ne pouvez pas liker sur cette page ici présente. Mais voici qu'on s'est fait un petit. Un petit clone d'Instagram avec Styled Components. Moi, il y a un dernier truc qui me gêne. Déjà, la photo, je ne suis pas une demoiselle, donc on va juste changer. En plus, ça fait très redondant ici. En même temps, c'est ma photo, donc c'est logique. Mais je crois que je ressemble un peu plus à celui-ci là. Donc, comment je vais faire ça? Je vais retourner ici, je vais le faire passer en deux. Et surtout, en fait, à la base, ce qui me gênait, c'était mon flex avec un gap. On va le faire passer à 30px. Les espacer un peu plus. Ouais, voilà. Un peu plus propre comme ça. Qu'en pensez-vous? On vient de terminer. Clic, clic. Juste éclaircir les bordures depuis le début, elles me font mal aux yeux. Les éclaircir un petit peu. Ah. Ah oui, mieux. Mieux. Donc, yes. Vite. Voilà. Mieux. Beaucoup mieux. Super. On va maintenant agrandir aussi la taille de mes images, que j'avais mis 400 au début. Et là, on peut le passer à 600. Donc, c'est dans mon photo list. Et c'est le photo. Et c'est le container de photos. Je repasse à 600. Voilà. 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 Moi, je préfère ça. C'est fou, mais ça fait 2 ans que j'ai pris cette photo et je me rends compte qu'elle n'est pas du tout droite. C'est juste horrible. Donc, celle-là, pour finir. Donc, ça, c'était à Fontainebleau, les deux. C'était à Mexico City, Mexico la Ciudad. Ça, c'est Paris, l'Arc de Triomphe. Ça, c'est à la Défense. Fun fact pour cette photo, je croyais que cette photo était horrible parce que le mec, il marchait trop bizarrement. Mais il y a eu un moment précis au moment où il est pris et il a l'air d'être un vrai Clark Kent qui est.
Il va se transformer en Superman. Et cette photo, je l'aimais bien jusqu'à ce que maintenant je vois qu'elle n'est pas droite du tout. Ça se retouche. Je peux retoucher ça. Parce que, eh oui, c'est pas droit. C'est droit nulle part en fait. Il y a un truc. Okay. Ça, c'est au parc de Sceaux. Vu que j'ai une photo liste, eh bien, je rajoute toutes mes autres photos. Je crois que j'en avais pris 11. 10 et 11. Ça, alors ça, c'est dans quel pays? Oh là là. Bratislava, c'est en Slovaquie. C'est en Slovaquie, ça. Et ça, c'est à côté d'Avignon. J'ai oublié le nom de la ville. Une toute petite ville, une toute petite bourgade. Voilà. Allez, je vais liker. Je vais liker mes photos. Je le fais pas sur Instagram, mais comme c'est mon clone, je like mes photos. Bibibi. Voulais juste lâcher un like à la fin, sinon c'est pas drôle. Voilà, allez, on s'arrête, c'est terminé. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions sur du JavaScript en général, que vous bloquez HTML, CSS, que vous bloquez sur quelque chose, n'hésitez pas à poser votre question maintenant. Sinon, je vais y aller. Et demain, pardon, mercredi, on va faire un live sur. Sur quoi? I don't know. Oui, on va créer des PDF. On va... Alors, pas vraiment des PDF, des diplômes. Donc, j'ai dit que c'était du PDF, mais je suis pas sûr qu'on l'exportera en PDF. Et on va dessiner avec Node.js. On va faire un vrai dessin. On va créer un joli diplôme, et ça sera le diplôme de Codiscovery. Et on va le dessiner avec du Node.js et on va en faire à la chaîne. Et toutes les personnes sur le salon mercredi, eh bien, elles auront leur diplôme pour avoir assisté au live. Voilà. Et j'en ferai 50 à la volée pour vous montrer que une fois qu'on en a créé un, on en a créé 100. Enfin, 50. 50 si vous, ou 100 si vous voulez. Même 1000. Peu importe. En une commande, on enchaîne. Eh bien, très bonne soirée à tout le monde. Donc, bonne semaine, bon code et faites-vous du bien. Et je mets la musique de fin. Ciao, bye bye.